Les données qui ont été collectées ont trait au point d'eau moderne, c'est-à-dire les forages, les puits modernes et les sources aménagées, dont on a collecté les informations et qui ont été par la suite également visualisées. Donc, dans la zone du projet, qui est une zone pilote, qui est une préfecture, sachant que la République centrafricaine est composée de 16 préfectures, nous avons fait un projet pilote qui se situe dans la préfecture de la Lobaye. Nous avons de gros problèmes dans tout ce qui est suivi des points d'eau en milieu rural. Dans le contexte centrafricain, on a au moins le tiers des pompes, c'est-à-dire au moins près de 30% des pompes qui sont en panne par manque de suivi. Résultats obtenus par rapport à la formation sanitaire, par rapport aux établissements scolaires, nous allons partager avec ces structures-là pour leur permettre de rechercher aussi des financements de leur côté pour la réalisation de ces ouvrages. La première chose, c'est l'importance de bien identifier les besoins et les objectifs attendus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire avec les données? Tout ça doit nous guider dans le choix de ce qu'on doit faire comme travail. Parce qu'on ne collecte pas les données pour les collecter, mais ça doit servir à l'usage pour la planification, la prise de décision. Nous permettra d'orienter les activités en ce qui concerne les réparations des forages ou en ce qui concerne le suivi de la qualité de l'eau, le traitement de la qualité de l'eau comme ça. Le principal défi, c'est le financement. Parce que, en fait, c'est de trouver le financement pour non seulement étendre l'utilisation, parce que si on veut aller à l'échelle, il faudrait plus d'outils, hein, ça nécessite plus de matériel, que ce soit les smartphones et autres matériels pour les tests de qualité d'eau. Donc,